Salut, et bienvenue sur ma chaîne GB Automobile, aujourd'hui on parlera du fonctionnement du différentiel. N'hésitez pas à vous abonner, et à liker la vidéo, si vous êtes nouveau. Voici une belle illustration 3D d'un différentiel. C'est quoi On n'y pense pas, mais lorsque l'on entame un banal virage, un mécanisme ingénieux agit sur la vitesse de rotation des roues. Car comme vous pouvez le voir, par vos propres yeux sur le schéma ci-dessous, les roues de droite et de gauche ne vont pas parcourir la même distance. Ça paraît bête, mais ça change tout. Et ce n'est pas qu'une question de confort. Le système a donc pour rôle de gérer cette problématique. Notez que le différentiel ne sert pas seulement pour les virages, il permet aussi d'avoir des vitesses de rotation différentes entre le train avant et arrière, sur les 4x4. Car s'il faut bien répartir la puissance sur les deux roues avant sur les tractions, il faut faire la même chose sur quatre roues, quand il s'agit de tout terrain, voici le différentiel d'une voiture à moteur transversal, il est limite intégré à la boîte. Le couple est fourni aux roues par deux cardans, un qui part vers la gauche et l'autre vers la droite, sur l'image on voit le trou qui permet d'envoyer le couple à gauche. De cet angle-là, on voit mieux le mécanisme interne du différentiel, on a affaire ici à quelque chose de bien plus sérieux, un différentiel arrière de BMW M4. La position n'a donc rien à voir avec ce qui est plus haut, moteur transversal traction contre moteur longitudinal, propulsion, ici, le différentiel est donc à l'arrière entre les roues, au lieu de l'avant et il est autrement plus gros en termes de calibrage. En revanche, le différentiel au milieu est de conception très classique. Fonctionnement, ce système peut à la fois être utilisé pour corriger le problème de différence de rotation entre les deux roues avant, mais aussi pour gérer la vitesse de rotation entre les essieux avant et arrière. Le principe consiste en un système de pignons astucieux, qui va mécaniquement faire en sorte que les roues puissent tourner à une vitesse différente, avec plus de puissance délivrée à la roue qui subit le moins de résistance. Car la roue extérieure au virage a besoin de prendre plus de vitesse, puisqu'elle doit parcourir plus de distance pour une même durée. Les effets pervers, si ce mécanisme fonctionne parfaitement dans des conditions normales, on peut vite s'amuser à le piéger. Donc la roue qui a le moins de grippe, avec la route bénéficie de plus de puissance. Placez alors votre auto avec une des roues du train avant dans le vide, exemple, nid de poule, ou sur une surface très glissante, verglas. Elle devrait alors tourner dans le vide si vous accélérez, tandis que l'autre ne bougera pas, comme si elle n'était plus entraînée par le moteur. Toute la puissance est déportée sur cette roue, qui au final ne nous sert à rien, puisqu'elle n'a pas du tout de motricité, point pas de différentiel égal, insécurité. Les premières autos n'avaient pas de différentiel, comme beaucoup d'autres éléments d'ailleurs. La conséquence une tenue de route hasardeuse couplée à une sérieuse tendance à sous-virer, tirer tout droit en virage malgré le braquage des roues. Enfin, l'usure des pneus devient assez chaotique sans parler de la mécanique blocage de différentiel, glissement limité j'imagine donc, qu'après avoir lu les lignes du haut, vous devinez d'avance à quoi sert le blocage du différentiel. En effet, ça sert à bloquer ou limiter la différence de rotation entre les roues. Le but étant d'éviter l'effet indésirable des cris plus haut en forçant les roues à tout tourner de la même manière. De ce fait, un 4x4 équipé d'un blocage de différentiel peut se sortir d'un mauvais pas, avec seulement une seule roue située sur un sol ayant du gris. Notez donc qu'il existe un blocage du différentiel à 100%, 50% de couple sur chaque roue d'un essieu, ou entre deux essieux, mais aussi et surtout, bien plus répandu. Un différentiel à glissement limité qu'il est cette fois, une certaine marge entre la vitesse de rotation de chacun des axes. Plus d'infos sur ces deux techniques ici. Blocage de différentiel électronique les constructeurs ont vite compris qu'ils pourraient économiser en programmant le S, P d'une autre manière. En effet, au lieu de s'appuyer sur un différentiel à glissement limité mécanique et coûteux, ils se sont dit que les plaquettes pourraient faire le job elles-mêmes par le pilotage d'un calculateur. En effet, les autos modernes ont la capacité de freiner les roues de manière indépendante. De ce fait, si une roue commence à patiner trop l'étrier reçoit comme ordre de calmer ses ardeurs en freinant. Si cela permet de faire des économies de fabrication, en réalité c'est moins efficace qu'un différentiel en dur sans oublier que vos plaquettes iront plus vite. N'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt pour une prochaine vidéo.